Spider-Man. Solomon Grundy. Le continent tel que tu vendrais ton royaume comme une vulgaire paire de chaussettes. Un grand, grand scénario. T'as masqué le perso. Ah, on peut masquer le perso à la sélection. Oh là là. Le counterpick qui marche pas très bien, tu vois. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à nouveau au cochon? Ah, Gotham City contre l'asile du Joker. Et cette fois, c'est à Gotham City. Allez, Oro, t'es confiant, là? Et gros sac, t'es confiant, là? Non, t'es pas confiant? Ah, merde! Allez, on est parti. Superman contre... Ah, il a pris Harley Quinn! Oh là là! Et directement, ça se prend le climatiseur sur la tronche. Anti-air de la part d'Oro, c'est pas mal. Bon, par contre, Superman, là, il super pas grand-chose, hein. Life kick, overhead, ça passe pas, combo avec la kick shop, il loupe son combo, hop, voilà, lanceur, relancé, il fait pas des combos très compliqués, hein. Il se rend pas la tête, gros sac, hein. Voilà, Harley Quinn qui, pour l'instant, fait pas grand chose, hein, Oro, t'es un petit peu, tu pourrais utiliser un hélicoptère, là, je crois qu'il y a moyen pour toi, là, voilà, petit combo avec drop kick, rebond sur le mur, combo, voilà, et la chop.
garde dans le coin. Gros sac qui concrétise pas suffisamment ses combos, qui utilise carrément un projecteur, hein. Pourquoi pas, après tout. Oh, qui pour l'instant ne fait pas grand chose d'intéressant. Bon, alors par contre, Gros sac, il a compris le caravan point, hein, ça chope, hein. Voilà. Allez, messieurs, là, un peu de beau match. Ce serait bien au moins un vrai combo de chaque côté. Voilà, comme ça. Merci. Voilà, fait péter la furie. Non, pas la furie, non, juste la chope. Et voilà, il est mort. Parfait. Harley Quinn qui paye ses nichons. Oro qui est concentré, là, vous voyez pas son regard de braise, mais c'est assez fou. Grossac qui semble ne pas savoir trop quoi faire, hein, qui a pas compris qu'il avait un laser pour faire ça. Il préfère se rapprocher pour faire une chope, ça marche pas très bien. Voilà, combo, ça marche bien. Hop, voilà, petit combo de la part de Oro, là, c'est très bien ça. Allez, voilà, laser dans les airs. Abandonne maintenant. Un laser. Superman qui active la super force, il est en mode sit. Et pendant ce temps, Oro ne fait rien. Oh là là, ça pipe la furie dans le dash avant. Et ça marche pas. Voilà, cross-up. Ça pipe la furie du côté de Oro. Et c'est over. Oh là là, c'est autogarde. Et il va lui mettre un petit gâteau sous les jambes. Voilà. Combo, non, pas combo, non, voilà. Et Oro qui déverrouille des succès, hein. Détends-toi un peu. 2-0 pour Oro dans cette grande finale d'injustice, les dieux sont parmi nous. Va-t-il y avoir du counterpick? Ah, tu peux counterpick le stage, hein, si t'as envie d'avoir une bonne carcasse de cochon. Sinon, tu peux te battre dans le stage d'Aquaman et envoyer des requins, ça marche bien aussi, ça. Ah ouais, la valve. Alors, que va-t-il counterpicker? Il counterpick Batman, eh oui! Ah, ça choisit la tier list, me dit Oro. Il joue le Batman. L'asile du Joker, eh non, encore une fois, Gotham City, vous verrez pas de carcasse de cochon à l'âle. Hein, je suis désolé, les gars. On repart. Oro qui réfléchit, qui se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire contre la tier list? Un éclair de génie dans ses yeux aurait-il trouvé? Et c'est parti, dropkick, overhead, bounce sur le mur. Ça va, Oro qui s'en sort bien, qui utilise un petit cadeau du Joker, ça passe plutôt bien jusque-là. Batman qui tente des petits combos, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, très bien. C'est pas beaucoup de dégâts, cela dit. Faudrait que Gros Sac utilise le bounce pour réussir à faire un peu plus de dégâts. Voilà, très bien. Ça punit avec le Batarang, ça utilise le trade. Parfait. Oro qui tente des petites escroqueries, mais qui se prend encore le grappin. Voilà, les Batarang. Ah oui, Batman, il peut voler, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Allez, les gars, là, un peu de jeu à distance, envoyez des projectiles, faites quelque chose, voilà, merci. Encore un petit, fais gaffe, il y a un bonbon rose qui arrive sur toi. Voilà, rien de tout. Combo. Oro qui a cru pouvoir punir, voilà, là, c'est bon, là, il va pouvoir... Non, il va pas pouvoir. Allez, il serait temps que le chevalier noir fasse quelque chose de ses gadgets, appelle la Batmobile. Demande à Alfred de se pointer, vas-y, c'est ça, utilise la flotte. Allez, allez, demande à Robin, là. Lui, d'arriver en slip, ça va t'aider, voilà, over... Enfin, cross-up. Ah, ça tente le bas punch, hein. Cet homme a joué à Virtua Fighter 5, il a compris. Allez, allez. Oro, fais-nous un petit combo, voilà, quelque chose de beau, là, quelque chose de sexy. Pendant ce temps, Batman, qui n'est pas très confiant, voilà, les Batarang en gratte. Enfin. Allez, Harley Quinn, on est à peu près à égalité là. Il faudrait juste que Gros Sac qui se réveille un peu parce qu'il a quand même 2-7 à gagner. Pour l'instant, c'est 2-0 pour Oro. Combo bounce. Voilà, là, il y arrive à peu près. Utilise le climatiseur, Harley Quinn. Utilise le climatiseur. Ah bah, ça sert à rien. Je suis désolé de t'avoir aiguillé sur cette piste. Voilà. Ah, ça y est, ça piffe la furie. Et ça passe pas parce que c'est trop tard. Et oui, il a même des réflexes de sac, ce monsieur Gros Sac. Voilà, petit combo, et la furie, et c'est fini.
Voilà, voilà, il va lui faire un petit cadeau d'une autre petite tarte à la crème. Et ça fait 3-0. C'est terminé. 2-1 ? Ah merde ! J'avais oublié ce détail. Donc 2-1, excusez-moi. Oro est chaud là. Va-t-il counter-piquer alors qu'il gagne ? Rostak, va-t-il counter-piquer alors qu'il counter-pique déjà ? Ça débloque des cadeaux. Nouveaux éléments débloqués. Ça counter-pique le stage, ça counter-pique le convaincant, en tout cas ça counter-pique. Et il est 11h, c'est l'heure des croissants. Que va-t-il prendre pour counter-piquer ? Ah, il sait pas trop, hein. Ça se voit que... Ah si, ça y est, il a trouvé. Et ça reprend encore une fois l'asile du Joker et Metropolis. Et Oro qui n'a pas de chance dans le pic du stage. Metropolis. Gagner deux séquences choc et remporter le combat. Alors qu'est-ce qu'une séquence choc? C'est la bonne question. Et on est reparti. Non, il y a deux. Hein. Allez, on est parti. Alors là, le dive punch, il a l'air de marcher plutôt bien. Allez, allez, il serait temps que ce Superman devienne un peu plus super. Voilà, très bien. Recommence. Non, gros, pas ça, non, voilà. Oro qui continue de troller à base de petits guns à l'autre bout de l'écran et de projectiles bien désagréables. Pendant ce temps, Superman, lui, utilise sa voiture. Non, l'anti-air, c'est pas trop ça. Le laser, c'est pas trop mal placé. Oro, qui pour l'instant, est en difficulté. La faute, probablement, à trop de projectiles mal placés. Genre comme celui-là, par exemple, ou ce deuxième. Pour l'instant, ce Superman a l'air de zoner à la voiture assez efficacement à laser. Et voilà, c'est très bien. Va-t-on revenir à un score de 2-2 ? Ok. Marche, non ? Ok, marche. Allez, Oro, continue. Se reprend une voiture, Oro. Il est pas très chaud, là, encore. Oro, Oro. Il y a un gros sac, là, qui commence à retrouver ses marques. Peut-être qu'il s'est réveillé. Il est 11h02. Ça y est, il est passé en mode. Oro, qui, pour l'instant, en fait, n'arrive pas à faire grand-chose. Hein. Aucune ouverture de garde, aucun zoning efficace. Malheureusement, une petite voiture encore. Non, cette fois, ce n'est pas passé. Un petit gun de la part de Oro. Petit overhead. Combo, voilà. Ça, ça va faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 7 étages et 2 murs. Et il n'est pas encore mort, évidemment. C'est Superman. Oh, et voilà. Ça piffe à l'autre bout de l'écran dans les projectiles. Et ça passe complètement. C'est stratosphérique. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas. Vas-y, fais-nous le zéro vital. Il peut pas gagner, t'as le zéro vital. Ah non, bah merde. On peut applaudir Gros Sac qui égalise à 2-2. Oro, que vas-tu faire? Ah, il va prendre son gros. Il va counter-pick. Il va prendre un personnage qui a des phases plus garanties. Et non, il ne counter-pique pas. Ah, on ne sait pas en fait. Il a peut-être counter-piqué, mais il a masqué son counter-pick. Et encore le stage du hall de justice. Je vois que dans les transats, ça s'installe confortablement. Ça a l'air de profiter fort bien du Stunfest. Allez, Solomon Grindy, montre-lui ce que tu sais faire avec ton bouton shop. Alors, Oro, tu peux pas perdre. Voilà, petit dash vers l'avant. Un petit Bane aussi en autogarde, ça aurait été pas mal. Hein. Voilà, il se prend des voitures, il se prend tout là, Solomon Grindy là. Faudrait vraiment qu'Oro arrive à choper la bonne distance. Voilà, le corps à corps, petit coup, ça attrape les jambes, petit combo, chop. Combo, chop, chop, voilà,
On a combien? 15 hits, 16 hits. On se croirait dans Tekken, on dirait King. 18, ça fait 52% de barre. Oroki a l'air bien décidé cette fois à ne pas se laisser faire. Hop, il rechoppe, il rechoppe. Il coupe et il chope, il décale. Il va choper décalé. Voilà la chope et on est bon. Voilà. Auro, il a joué à Rising, hein. Il chope décale là. Va-t-il utiliser les planètes pour se... pour taper son adversaire? Solomon Grundy, voilà, très bien, le truc à l'autre bout de l'écran, ça immobilise. Voilà, il utilise... c'était quoi? C'était Mars. Il utilise Krypton en anti-air. Voilà, combo chop, chop encore. Il le ramène près de soi au sol, aucun respect, il le tabasse au sol. Il recommence, 10 hits, 11 hits, voilà, 20%, c'est très bien. Allez, il faut encourager Gros Sac, là, il est mal barré. Oh, il est très mal barré, Gros Sac. Allez, la furie, Grundy. Ah non, il a pas la furie, Grundy, il a pas de barre. Par contre, il a le gros coup de poing dans la gueule qui amène dans un endroit où il y a un type en cuir un peu vénère. Ah là là, c'était Krypton, et voilà, ça fait 3-2. Et c'est la fin des finales d'Injustice. On peut applaudir Gros Sac et Oro. Bon alors Oro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes stratégies gagnantes et comment gagner dans les jeux? Il faut être violent pour gagner. Est-ce qu'un chopper est toujours plus garanti Day One? Ouais, il y a de grandes chances parce que les choppers, bon, tant que tu maîtrises pas le système du jeu, tu sais que lui te touche, il t'enlève au moins moitié de barre. Quand t'es pas à l'aise avec le jeu, ça joue beaucoup. Je pense qu'un bon potem Day One, c'était quelque chose. Voilà, donc vous avez compris. Jouer les choppers en Day One et puis quand on se revoit l'année prochaine, là, faudra avoir des vraies phases. Merci les gars pour ces matchs et puis, bah reste, attends, je sais pas, il y a des remises de l'eau, il y a quoi?